Ça démarre maintenant. Bonjour. En cette joyeuse fin d'année 2016, Oui. nous allons vous présenter tous nos vœux et nous allons déballer nos cadeaux parce que le Père Noël il est passé chez nous en Ariège, ça passe avant l'heure. Hein. Il y a des joyeuses fêtes là. Alors, on a un sac qu'on va vous montrer quand même. Hein. Il est beau. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Gustave, il va regarder, il va découvrir parce que moi j'en ai un autre. Hein. Ah, mais il y avait celui-là. Ah, mais oh, que c'est beau! C'est bon. Il est à quoi devant toi? Mais il y avait ça, t'as tout renversé. Il est où le plateau? Ah, on va dire une négresse à plateau. Hein. Et t'avais ça dedans? Oh, ben t'en as plein, toi. Moi, il n'est pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses. Moi, il est vide. J'ai juste un beau joli sac, mais il n'y a rien dedans, moi. Ah, mais je suis trop gentille. Hein. Tu le veux? Mais regarde, moi, on m'a donné des couleurs parce que j'aime les couleurs, mais on m'a rien mis dedans. Ils n'ont rien mis dedans, moi. Pourtant, il est beau, hein. Ah ben, tu mets des confettis, mais t'as rien d'autre non plus. T'as que du papier. Du papier et de la ficelle de toutes les couleurs. Mais c'est l'arc-en-ciel. Mais il me décore pas. Non, 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 j'en ai mis. Je veux plus de ces machins. Non, je veux plus. Un peu du rose, mais c'est tout. Hein. Et après. Ah on ne te voit plus le bigorneau. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout ce qu'il y a? Oh là là, mais ça fait un effet bœuf. Hein. Un bœuf. Ça fait un effet bœuf. Ah, mais il y a des choses. Je savais bien qu'il y avait un plateau avec des choses lourdes. Ah, mais qu'est-ce que c'est qu'on a dedans? La belle gourmandise de qualité. Ah! Parce qu'on est des petits enfants. Ah, mais attends, c'est marqué. Petite gourmandise de qualité. Mais bon, et best. Gourmandise de qualité, c'est des bandos. Et toi, c'est des petites gourmandises de qualité. Ça, c'est les groseilles. Ah, mais ça s'appelle des dragées best. Des dragées best. C'est les meilleures dragées du monde. Ah oui? À plein de colorants. Et c'est des Dragon Ball. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ça doit être un dessin animé pour les enfants, hein, mais ouais. Moi, je sais plus, j'ai oublié. J'ai une chaîne chaque année alors. Eh bien, ça nous vient de Pézenas, du 34. Et toi aussi? Ah, ouais? Ah, mais ils nous font des trucs pour nous pourrir la vie parce que c'est bourré de colorants, dis donc. Mais ouais, mais eux, ils ne mangent pas, c'est pour ça qu'ils les vendent. C'est beau, hein, quand même, c'est beau, hein, mais ça ne nous donne pas envie. Hein. Non, non. Je préfère manger la couleur de ma mangue ou de mon avocat, de ma banane, de mon pomme rouge. Hein. Demain, on va aller faire goûter au mouton. S'ils ne le mangent pas, c'est que ce n'est pas bon. Hein. Hein? Mais tu n'as pas dû y voir ce qu'il y a marqué dessus. Alors. Allez, tu vas faire ou pas? Je te dis. Oui. Ah, moi, je vais dire déjà le mien. Alors, il y a du sucre, il y a du sirop de glucose, du fructose, de la farine de froment, de l'acidifiant, plein, plein, plein. Ah ouais, et de l'acide malique qui est pas malin du tout, des E900, je sais pas combien, de l'acide citrique, du E330, du dextrose, de l'huile végétale, de l'huile de palme, de l'arôme colorant, oui, E150, antioxydant, acide ascorbique, oh mon vieux, t'es comme une bique avec ça, E306, extrait de fruits quand même, on vient aux fruits, mais pour finir, un tout petit peu de carottes, de poivrons, de courges, de tomates, de radis, de romarin. Mais ça me donne pas le pourcentage, 0000. Ah ouais, absolument. Et voilà. Et toi, t'arrives pas à lire, je vais te lire ton paquet cadeau. Oh, mais il est lourd, le tien est plus gros que moi, je sais pas, on va partager, hein. Bon, c'est tout pareil. C'est tout aussi mauvais. Il y a du bleu patenté, oh, c'est cu... et puis de la curcumine. C'est des colorants, ça. La curcumine? Oh, ouais. Et la cire de carouba. Ah. Du carouba, ah ouais, c'est de l'enrobage. Et ah ben avec ça, on va s'en mettre plein l'estomac, les copains, les amis, les colorés qui veulent de la couleur dans la bouche avec une langue qui devient bleue, violette et jaune. Eh ben on veut pas. Eh ben j'ai trouvé à la poubelle, j'en ai trouvé 10 sacs comme ça, et puis 10 comme ça. Mais j'ai trouvé des preneurs et des gens qui sont très intéressés pour offrir ça à leur famille, à leurs enfants. On en a gardé un pour vous montrer, un exemplaire quand même, pour vous dire que malgré que ce soit alléchant à voir pour les enfants, c'est quand même des tartines de... Hein? De... Ouais, hein? Ouais. Ouais.
Voilà, on peut se les tartiner, je ne sais pas où, mais on va les manger, ouais, parce ouais, que le pauvre tube digestif, il va quand même pas beaucoup se régaler avec ça. Le pancréas et tout ça, le foie, la vésicule. Ouais, ça et puis du foie gras et du caviar et puis des aiguillettes de canard le et foie, les nudes de la dame. Ah, ben non, un mignon, hein, mignon. C'est comme la tante Yvonne. La tante Yvonne, elle ne savait pas. Elle s'est laissée tenter. Elle a eu du diabète, c'est pour ça qu'elle force de manger des bonbons comme ça. Mais t'as pas déballé tous les paquets, regarde, on en a encore. Ben oui, mais Yvonne, elle a qu'à arrêter, Yvonne. Ouais, ah, mais nous, on a. On a la nature qui nous a rattrapés, nous a envoyé des plumes cet après-midi. Heureusement que. Qu'on a fait un luce. Alors. Oh, bon, on va mettre quelle couleur pour ce soir? Une blanche. Mais si, voulez-vous que je vous signe un autre? Allez, entre les deux yeux, c'est planté. Ah. Et moi, entre les deux seins. Bien, c'est le saint du jour qui va vous saluer en vous disant bon Saint-Nicolas. Et puis, restez sains, soignez-vous, bien, hein, voilà. Mais comment tu écris sain? Suivez, ben, ils veulent comme ils veulent, hein, S-A-I-N, non, mais T, on n'en met pas, c'est selon ses goûts, hein, ouais. Selon où on est spirituellement placé, comme moi, à la hauteur du béret, ouais, d'accord. Et toi de ton chapeau. Alors, on va les saluer, un coup de béret, basque. Oh, vous avez vu? Une verrue. Écoute-moi. Voilà, la fête commence et se termine en fanfare avec des rires.